Bonjour à tous, je reviens vers vous pour faire une vidéo tirage de cartes avec mon nouveau haut que j'ai cousu pendant les vacances. Voilà, je vais prendre l'oracle de Shine pour commencer, pour avoir un petit aperçu, recevoir les messages, les cadeaux. Hop. Et ça va être agir, agir, agir. Voilà. Magnifique carte, agir. C'est la carte 22. Alors 22, ça peut être aussi le fait d'agir dans une direction que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Voilà. Par rapport à la colère aussi. Que faites-vous quand vous êtes en colère? Que faites-vous quand vous êtes en colère? Voilà. L'intuition, ok. Donc la carte intuition, donc je pense que ça, vous avez bien compris que vous saurez, il y a une situation qui va se présenter à vous, où il y aura beaucoup de colère, et le but c'est de ne pas entrer dedans, c'est-à-dire que vous prenez la direction que vous avez besoin de prendre, pour acter, j'ai envie de dire, la guérison. Hein. Prenons les cartes du défi magie. À chaque fois, il y en a beaucoup qui veulent venir. Je vais prendre quand même une carte. L'arc-en-ciel, crois en tes rêves, avance dans la direction de tes rêves. Il se peut que vous ayez posé l'intention de ne pas vous faire pomper l'énergie, j'ai envie de dire. Donc, allez-y. Voilà. Avancez dans la direction de vos rêves. Il y a une guérison. Suivez la voie du cœur. Encore une fois, Lilou a le cœur ouvert. Voilà. N'ayez pas peur d'aller vers l'extérieur sous prétexte que vous risquez de rencontrer machin qui ne va pas être sympa, qui va être en colère, etc. Allez dans la direction de vos rêves. Si vous avez envie, je ne sais pas moi, de vous faire un gros panier de courses et qu'à ce moment-là, vous vous dites « Ouais, mais tu n'as pas d'argent, etc. Tu devrais consommer moins, pas acheter ci, pas acheter ça. » Faites l'inverse, peut-être. Hein. Invitez-vous à guérir cette énergie de colère. Voilà. La plume accepte la bonne nouvelle qui se présente à toi. Voilà. La bonne nouvelle, c'est peut-être que vous avez suffisamment, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Accepte la bonne nouvelle qui se présente à toi. Ah, c'est une belle carte ça, la plume. La bonne nouvelle. C'est que vous êtes guéri. Mon avis, c'est ça. Hein. C'est qu'il y a une guérison là. Il y a vraiment une guérison, un succès, une réussite. Il y a une réussite, surtout avec la carte de l'arc-en-ciel. Quelque chose qui y a vraiment... Donc, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, d'agir, d'aller de l'avant. Si vous voulez, avec cette belle blonde-là, je vais prendre une dernière carte et vous lire rapidement le livret qui va avec, qui accompagne. Je vais un peu vite. Hein. Je vais un peu vite. Hop, là, voilà. Ça va être les arbres. Enracine-toi plus profondément. Passe du temps en nature. Faites-le calme. Voilà, soyez calme. Voilà. Si vous avez besoin de soutien, d'enlacer quelqu'un à ce moment-là, de vous faire un câlin, faites-le. Revenez vers vous. Voilà, vous êtes en sécurité. Alors, l'oracle de Shine, je vais juste prendre le livret pour la carte 22. Qu'est-ce qu'il est dit? Fais-le maintenant. Maintenant, c'est pas plus tard. C'est maintenant. Je décide quelque chose. J'agis. Ne reportez pas les choses à demain. Vous devez saisir les opportunités qui se présentent à vous maintenant. Accepte la bonne nouvelle qui se présente à toi. C'est exactement le même message. Là, à gauche, elle est à gauche. La carte indique qu'il faut agir rapidement sur la situation car des opportunités sont au rendez-vous. Voilà. À bientôt. Passez une très bonne journée.